Chénine. Avec qui m'aurais-tu fait cocu? La liste est longue, hein. Je ne croise pas un mot. Ouais, bah c'est peut-être mieux pour toi. J'étais tout le temps là. Ah, pas tout le temps, non. Donne un exemple. Tu veux un exemple? Oui, je n'arrive pas à te croire. Quand je suis partie seule à la boule. Pouah, t'es partie que deux jours à la boule. T'étais cocu dès le premier, hein. Tu es drôle. C'est vrai, je ne le fais pas exprès. Tu passais les journées chez ta, chez, à la plage et les nuits chez ta tante. Ouais, ben tata ne m'accompagnait pas à la plage. Je me demande bien ce que tu pouvais faire à la plage. Je me tapais le plagiste dans un bungalow. N'importe quoi. Je t'assure que c'est vrai. Trouve autre chose, tu veux. Il s'appelait Marc. Marc. Il s'appelait Marc. Et ça, c'est le petit détail censé me troubler. Je me rappelle de son nom parce que c'était un baiser de première. Il était pas plutôt maître nageur? Il avait une queue énorme. Il s'appelait pas plutôt Pierre ou Stéphane? Et parfois avec toi, bah, je repensais au bungalow parce que ça m'aidait. Hein. C'est chaud. Le public est sympa. Ouais, le public autant. Bon, on a un peu zappé un petit bout, mais bon. Mais bon. Ça, Non, pour une première, c'est bien. C'est terrible, mais je crois qu'on a trouvé des nouvelles choses maintenant. On s'est amusé, c'était cool. Franchement, non, c'est bien amusé. Je voudrais savoir ce que tu comptes faire. Comment ça, ce que je compte faire? J'ai l'intention de vivre cette histoire. Félicitations! C'est une véritable rencontre. Oh, ben, je verrai plus jamais les pompiers de la même façon. Non, mais c'est bien! Il est au courant pour toi. C'est chouette, ça! Je lui ai dit que je ne voulais pas te quitter. Cool! Ça ne le dérange pas. Je vais pas laisser le choix. Cette virilité tout à coup. Impressionnant, hein. Moi, je t'en prie. S'il te plaît. Si je pars, tu le quittes. Non. Si je décide de rester. Je verrai de temps en temps. C'est vrai qu'il ne sait pas. On est déjà séparés, hein. Ah bon? Bah oui, on fait pas bien ensemble. Je ne m'étais pas rendu compte. Vous auriez pu être tués. Oh, c'est pas grave. Mais on a dû tirer une leçon. On dort ensemble quand même. Avec lui entre nous. Ah oui, alors ça aussi. Même que tu le gênes avec tes ronflements là. Il veut que j'aille dormir ailleurs. Oui, et ben il est pas le seul, hein. Ah, toi aussi, t'es d'accord? Bah tu ferais mieux d'aller dormir ailleurs, hein. Si on m'avait dit que ce serait comme ça. Non, mais c'est souvent comme ça. Hein. Alors, il dort avec toi et moi je fais la cuisine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas mal. Tu trouves ça normal? Bon, on se sépare alors, hein? Ouais, ça sera mieux pour tout le monde. Ça me fait quelque chose quand même. Ah bon? Oh, bah, quand même! Sinon? Seigneur, ok. N'oublie pas que je suis... Tu vois, on pourrait se voir quand il est à l'école. C'est vrai. Oh, comme des amants, tu veux dire? On ira à l'hôtel. Oh, pour baiser. Bah oui. Oh, mais quand? Après ton travail. Oui, mais je vais le chercher après le travail. Pendant ta pause déjeuner. Pourquoi que je mange? Non, mais pas tous les jours, enfin... Ça pose des complications, quand même. Bon, l'idée, c'est de plus vivre ensemble avec lui. Oui, bah, se séparer, quoi. T'es triste? Dis-moi, Seigneur. Non. C'est... Je propose des trucs... Tu m'aimes? Non, non, mais c'est pas la question. Non, se séparer, c'est tout, quoi. Faut encore... Regardez, ça va, on n'est pas obligé de lui demander l'autorisation pour ça non plus. Non, mais t'as envie de l'entendre gueuler ou quoi? Je veux jamais l'entendre gueuler. Moi non plus. Plus jamais. Non. Je finirai par le buter. Que de la gueule. Merci.